Hello tout le monde, bienvenue dans mon univers, j'espère que vous allez bien. Donc j'en ai profité pour tourner deux vidéos sur mes bougies. Je veux faire des courtes vidéos, je veux pas que ça prenne une demi-heure à vous présenter plusieurs bougies. Je préfère les présenter une par une. Donc là, je suis allée à la foire fouille et j'ai acheté des bougies à la foire fouille. Je vais vous montrer des bougies, je suis totalement déçue de ces bougies. Elles ne sentent rien du tout. Voilà, comme j'ai dit, je ne vais pas... Le but de tourner des vidéos sur les bougies, c'est juste de vous dire, voilà, ça sent un peu, ça sent pas ou ça sent bon. Comme ça vous permet de ne pas acheter des bougies qui ne sentent pas, seulement si vous les cherchez en décoration pour votre maison. Mais vous savez que vous n'aurez pas d'odeur et les magasins nous vendent du rêve alors que, eh ben, il n'y a pas tout le temps du rêve. Donc, certes, hein, je vous parlerai de ma jolie candle, etc., mais beaucoup plus tard. Là, je veux vraiment vous tourner des vidéos sur des bougies qu'on trouve vraiment à petit prix. Donc, j'ai acheté pour commencer ces petites bougies ici. Pardon, je passe devant. Hop, j'ai acheté ces petites bougies ici qui nous promettent l'odeur de la vanille. Alors, quand vous les sentez comme ça, elles sentent la vanille. Voilà. Le problème, c'est que je suis persuadée, je ne les ai pas encore brûlées, mais je peux déjà vous dire qu'elles ne sentiront rien. Pourquoi? J'avais acheté exactement les mêmes à la pomme que voici, que voilà, au bout d'une heure, il n'y a déjà plus rien. Voilà, vous voyez comment elles sont. Elles se sont ratatinées, elles ont sur ma cheminée, heureusement, c'est du marbre. Au-dessus de ma cheminée, c'est du marbre. Et ça a pris sur le marbre, donc heureusement, une fois que c'était sec, ça a venu tout seul dans les mains. Mais voilà, normalement, c'est pour les mettre dans ces petites choses-là. Et là, vraiment, je m'attendais pas. Franchement, en une heure à avoir ça, l'odeur de la pomme verte, elle y est. Elle y est. On la sent bien, cette odeur de pomme verte. Le problème, c'est qu'une fois qu'on les brûle, elles ne sentent plus rien. Donc je l'avais posé sur ma cheminée dans un premier temps. Rien, de chez rien. Donc vachement déçu. Ces bougies, je les avais payées 1 euro. Et les petits bougeoirs, voilà, quand je prends, j'essaye de tout prendre ensemble. Et ces petits lumignons là en forme de galet, je les avais payés 99 centimes. Et j'ai également acheté une bougie en 500 grammes. Qui nous disent 4 heures. Alors attendez, par contre, est-ce qu'ils nous parlent des heures de combustion là-dessus? Tiens donc, on va regarder. Alors la bougie vanille, donc c'est la marque bougie votive, si vous les retrouvez. Voilà, sachez que c'est pas la peine. Sauf si vous voulez vous en servir de décoration ou sur une table mettre une bougie qui n'a pas d'odeur. Ou voilà, qui n'a pas d'odeur parce qu'elle n'a pas d'odeur. Et ils nous disent combustion 10 heures. 10 heures de combustion, c'est de la pure foutaise. Au bout d'une heure, j'étais déjà à ça. Voilà, et ça avait dégouliné partout. Donc 10 heures, hors de question. J'ai pris celle-ci. Je me suis dit, la bougie orange. C'est pas la couleur, hein, elle sentait l'orange. Elle sentait l'orange de base. Dans le magasin, il y avait même un couvercle en plastique dessus. J'en ai pris une qui était soulevée. Je l'ai sentie. C'est une bougie 3 mèches. Elle était à ce niveau-là. Vous voyez, elle s'arrêtait là. Et on voit bien. Voilà, elle s'arrêtait là. Je l'ai brûlée déjà deux fois. Donc j'ai brûlé ça. Et ensuite j'ai brûlé ça. Vous voyez, on voit bien. Hop, et là. Ben, elle sent rien. Donc je me suis dit. Si les petites ne sentent pas dans ma salle, salon, parce que c'est une grande pièce, je peux comprendre que c'est plus fait pour les cuisines, pour les salles de bain, par exemple, le temps qu'on nettoie sa petite salle de bain, hop, on en brûle une, et puis voilà, l'odeur est diffusée, et voilà. Non, non, c'est pas ça. Celle-ci, je suis désolée, une 3 mèches. Ils nous disent 40 heures de combustion. Moi, je l'ai brûlée deux soirées. Hein? Vous voyez, je ne vous mens pas, hein. Vous voyez bien les traits, hein. C'était jusqu'à là. Hop, on voit bien s'arrêter là. Hop, et là. Et ben, deux soirées, ils ont quand même brûlé pendant 4 heures, donc on est à 8 heures.
Donc 8 heures, donc moi j'ai 8. 8 et 8, 16, hein, on a fini, hein, on est à 16 heures, hein, on sera à 16 heures et non à 40 heures. Alors est-ce qu'elle sent l'orange? Non, elle ne sent pas l'orange. Elle sentait l'orange quand on l'a ouverte. Et là, elle ne sent plus rien. Alors, dans la combustion, elle n'a rien senti non plus. Celle-ci, je l'ai payée 5,49 €. Donc, si vous voyez ces bougies de cette marque, la bougie, voilà, de la marque, donc ça s'appelle bougie votive. Votive, ouais, bougie votive. Voilà. Eh ben, n'achetez pas seulement si vous voulez en faire une décoration. Voilà, si vous voulez avoir ces petites bougies, elles sont toutes mignonnes, hein, même celles-ci, elles sont toutes mignonnes, présentées dans un petit bougeoir. Bon, là, j'arriverai pas à le ravoir, hein, voilà, clairement, il va falloir que tout brûle. Hein. Non, j'arriverai pas à l'avoir. Honnêtement, que dire, je vais enlever le côté, hein, sur les côtés pour finir de les brûler. Bon, voilà, si vous voulez avoir des petites bougies déco, juste, vous voyez, pour mettre de chaque côté, par exemple, d'un buffet ou un truc comme ça, elles paraissent toutes mimi ou sur une petite table ronde à côté d'une fleur, etc., juste en présentation, sans jamais les brûler. Oui, elles peuvent faire le truc, sachant que de toute façon, la petite étiquette, elle s'enlève si vous enlevez le petit truc en plastique. Hein. Il n'y a plus, ça devient une bougie comme ça. Hein. Donc, à moins que vous en achetiez plusieurs pour faire une petite déco. Mais si vous cherchez une bougie avec l'odeur, c'est pas la peine, elle en a pas. Celle-ci, c'est pareil. Elle existe en plein de parfums, hein, vanille, pomme, cerise, fruits des bois, enfin, tout ce que vous voulez. Et j'ai dit, ben, orange, ça va changer. Et, ben, voilà, quoi. Donc, je vous dis, à moins que vous en preniez une ou deux pour mettre en déco sur un buffet, des choses comme ça aussi. Mais sinon, par contre, là, c'est collé, hein, sur le truc. Bon, après, l'avantage, c'est que vous pouvez récupérer le pot et en faire, voilà, faire un pot pourri avec, ou voilà, moi, bon, j'enlèverai l'étiquette, je ferai sûrement un pot pourri avec, enfin, voilà, je ferai un petit truc avec. Mais honnêtement, si vous voulez les acheter pour les odeurs, c'est pas la peine, il n'y a aucune odeur. Donc, voilà, sur ce, ma petite vidéo est terminée sur les bougies. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous en aurez une comme ça, je pense. Je vais essayer toutes les semaines, hein, parce que j'en ai acheté d'autres aussi. Voilà, comme je vous disais en début de vidéo, je vous dirai tout le temps ce que j'en pense honnêtement. Ça peut être intéressant sur le fait, parce que bah, pour celles qui cherchent une petite déco, dire, ah bah tiens, à la foire fouille, j'ai vu une fille partager des petites bougies. Tiens, ça me donne une idée, j'aimerais bien faire ci, faire ça avec les bougies. Ok, vous savez, sur un petit plateau, comme ils vendent à Action, ils vendent des petits plateaux, vous savez, en effet miroir. Et c'est très joli posé dessus, hein. J'ai essayé, j'avais mis deux petites roses dessus séchées, ou deux petites roses même, vous pouvez même acheter des petites roses, voilà, où vous enlevez la tige là. Et deux petites roses, j'avais posé deux petites bougies autour, etc. Ça fait super beau. On peut faire une. Puis deux, trois petits galets, ça peut faire une superbe présentation. Mais le truc, c'est de. Ça restera de la déco. Vous ne l'avez pas, vous n'achetez pas la bougie pour l'odeur, juste pour la déco. Donc celle-ci, 1 euro pour faire une petite déco, c'est sympa. Mais voilà, pas pour en sentir l'odeur parce qu'elles n'en ont pas. Donc voilà, je me répète encore une fois. Donc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si mes vidéos vous intéressent. Activez la petite cloche pour être informé de mes vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!